Bienvenue à tous, merci de la fidélité, merci parce que nous sommes ici au Katanga, à Lubumbashi. Il fait partie des gouverneurs de la RDC, mais lui fait l'exception. Nous avons déplacé nos caméras ici pour le rencontrer, parce que votre émission est ainsi faite. Je vous le présente, il est là. Moïse Katumbi, c'est notre invité du jour, gouverneur du Katanga, ici donc, chez lui, à Lubumbashi. Bienvenue. Monsieur le gouverneur. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Ça va, et toi? Vous êtes frais, matinal? Oui, je suis chez moi, je suis au Katanga, donc je dois être frais pour commencer les chantiers chez moi. Je suis bien content, et surtout ceux qui nous suivent ici au Katanga, au Congo, à travers le monde. C'est un privilège pour nous de venir ici vous rencontrer. Je vous demande, monsieur, vous voulez bien? Oui, il n'y a aucun problème. Tu es chez toi, tu es dans la province du Katanga, donc je peux te suivre partout. Alors, c'est pour dire que nous avons l'exception qui confirme la règle ici. L'exception, c'est Moïse Katumbi, que nous allons demander de s'installer sur ce canapé, juste en face de moi. Un canapé dressé. Installez-vous, monsieur le gouverneur. Bien installé dans ce canapé. Et moi aussi, je vais m'installer pour qu'on puisse commencer cette émission avec vous. D'abord, dans quel état vous êtes? Vous allez me donner la réponse. Restez comme ceci. Je vous l'ai promis, vous l'avez maintenant, une émission exceptionnelle réalisée depuis Lubumbashi. Nous sommes ici au domicile de Moïse Katumbi, gouverneur de la province du Katanga, à la tête de cette grande province de la RDC, pourvoyeur en ressources pour le trésor, mais également l'exemple en termes de réalisation. Moïse Katumbi, beaucoup en parle, ici au Congo, à travers le monde. Aujourd'hui, à cœur ouvert, nous allons nous entretenir avec lui, monsieur le gouverneur. Lorsqu'on vous regarde, on a l'impression que c'est un jeune athlétique, on dit de vous, jeune gouverneur dynamique, populaire, entrepreneur, mais aussi l'homme le plus redouté des politiques, parce que vous êtes un tout petit peu atypique. Mais Moïse Katumbi lui-même se considère comment? Merci beaucoup Jean-Marie. Surtout, bon, il y a des gens qui disent Moïse Katumbi est populaire, je ne crois pas. Je suis en train de faire le peu que je peux faire pour satisfaire la population de ma province. C'est ce qui est important pour moi. Bon, je suis né dans un petit village, comme beaucoup de nos frères congolais. Lesquels? Beaucoup de nos frères congolais qui sont nés aussi. Non, je parle du village. Oui, le village de Kachobwe. Je suis né à Kachobwe. Et vous savez, je suis né dans une grande famille de 12. Chez 12 nous, enfants. 12 enfants. Il y a deux fois de jumeaux chez nous. Il y a deux fois de jumeaux. Donc, j'ai deux amis d'enfance qui sont avec moi jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne savais pas un jour que j'allais devenir gouverneur et qu'on allait un jour me donner l'opportunité de diriger cette province. Donc, quand j'étais en train de grandir, mes idées c'était faire les affaires et non pas entrer en politique. Et par hasard, je suis entré en politique. Bon, surtout quand je travaille, moi-même je ne me considère pas en tant que gouverneur de province. D'abord, ce qui est important pour moi, c'est le Moïse de l'enfance, être avec ses amis et partager avec les autres. Nous avons réalisé un portrait sur vous, on va le voir tout de suite. C'est l'une des personnalités atypiques de la République démocratique du Congo. Un homme partagé entre les affaires et la politique, Moïse Katumbi, 51 ans, ne laisse personne indifférent. En tout cas, merci. Mingi na Moïse Katumbi chapwe. Ninsa ki dila papa Moïse Bikola. Ninsa ki dila vraiment boalu bo malwa ju enza janu mimpa. Kachaye mwina wa kwela bintu byonse byanu okay. Si to ba membre ya IDPS. Tunaona IDPS e chikake muntu. IDPS kama ne chika muntu ndio solo muntu ni wa bya kweli. Unaona hapa pale secretary kwa pale ni mwitika Moïse sasa ni muntu wa kabaila. Hakuna mkatanga mla politisien wa kupita Moïse. Donc c'est un gouverneur qui a laissé des empreintes en République démocratique du Congo. Né d'une mère congolaise et d'un père juif,
Très jeune, aussitôt sorti des humanités, il se lance dans les affaires. Débutant d'abord comme gérant des établissements au Katanga et en Zambie, où il reçoit plusieurs formations en gestion. Fort de sa popularité acquise dans la province grâce à ses actions sociales, c'est en 2006 que l'homme fait ses premiers pas en politique. Il brigue la députation nationale, ensuite la députation provinciale, avec plus de 90% des voix, ce qui constitue le record de tous les temps de voix obtenues en RDC. Il est gouverneur élu de la province du Katanga depuis février 2007. C'est à lui que la province doit ses progrès actuels, infrastructure, économie, net avancée dans la traçabilité de l'exploitation des minerais, principales ressources de la province, qui ont fait d'elle le poumon économique du pays. Katumbi a su également imposer une certaine rigueur à toutes les sociétés nationales ou internationales opérant sur le sol katangais, dont les agents en majorité locaux ont vu leur salaire s'améliorer progressivement. Nous avons un gouverneur qui a un grand cœur, notre vaillant gouverneur, Moïse Katumbi Tshiapwe. Il a un faible particulier pour le football. Président du club de football Tout-Puissant Mazembe, qu'il dirige depuis 10 ans, une équipe qu'il a portée au sommet du football africain, deux fois consécutive championne d'Afrique et une fois à la finale de la Coupe du Monde des clubs à Abu Dhabi en 2010. Membre du Parti du Peuple pour la Reconstruction de la Démocratie PPRD, parti dont l'initiateur est le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, pour qui il a toujours témoigné un attachement infaillible. Moïse Katumbi Tshiapwe est l'invité de votre magazine Talk Show. Justement, en regardant ce portrait, Moïse Katumbi, on a l'impression que vous avez un peu de votre côté beaucoup de chance. Beaucoup de chance en tant que jeune, beaucoup de chance en tant que Katangais, beaucoup de chance aujourd'hui en tant que gouverneur de cette province. C'est une chance automatique ou vous avez souffert dans votre vie? J'ai beaucoup souffert dans ma vie. J'avais d'abord perdu mes parents très jeunes, surtout mon père très jeune. J'ai grandi chez mon grand frère et je suis allé vite dans les affaires quand j'ai terminé mes humanités. Je suis allé vite dans les affaires. J'ai étudié à l'internat comme tout le monde. Je n'ai pas fait l'école belge ou l'école française. Je suis allé dans un internat où il y a eu beaucoup de pauvres. J'étais à Kapoloé à l'âge de 9 ans. J'étais déjà à Kapoloé et je suis resté là-bas. Et j'étais le seul petit à l'école primaire et tout le monde m'appelait Petit Moïse. Donc pour moi, ce n'est pas étonnant quand les gens m'appellent Moïse. Moïse, déjà à l'école, j'étais très habitué. Et parfois, je me disais, mais pourquoi ces gens m'appellent Petit? Et même mes amis, pour se moquer de moi, ils disaient Petit Moïse. Donc j'ai grandi à l'intérieur. Et la générosité dans votre enfance, c'était comment? Vous arrivez à partager les bonbons avec vos camarades? Vous savez, quand j'allais à l'école, j'avais une valise avec mes habits, avec mes biens, surtout mon argent de poche. Mais au retour, j'oubliais même la valise. Ah bon? Tout ce que j'avais, vous pouvez demander à mes professeurs ou mes anciens amis. Et mon argent de poche servait aussi à payer le minerval de choses de mes amis à l'école, qui sont encore ici avec moi à Lubumbashi. Les autres sont restés, qui travaillent chez nous encore dans nos sociétés de famille. Et je payais leurs études parce que leurs parents ne pouvaient pas payer leurs études. Et j'ai essayé de faire de mon mieux. Parfois, j'embêtais mon grand frère. Je dis, j'ai un ami, et il est très intelligent à l'école, mais il n'a pas le moyen. Parlons un tout petit peu de Moïse Katumbi, le manager, c'est-à-dire cet homme d'affaires qui aujourd'hui admiré par les Congolais, pas seulement, parce que vous avez reçu il n'y a pas longtemps une grande distinction au niveau panafricain. Mais j'aimerais quand même savoir, j'ai appris, hein, parce que je cherche quand même, que vous avez commencé avec 100 dollars. Pourquoi? Vous savez, j'ai commencé avec 100 dollars, je travaillais chez mon grand frère. Je ne voulais pas d'abord que je sois financé par mon grand frère, je voulais commencer mes activités moi-même. J'ai commencé avec 100 dollars, c'était très dur. Je suis allé pour la première fois acheter le poisson salé à Kilwa. Le poisson salé? Le poisson salé, oui, parce qu'on était, on avait des pêcheries. Oui. Alors je me suis dit, bon, je vais commencer quelque chose de petit, peut-être... À moi? À Moïse Katumbi, c'était vers les années 85.
Et j'ai eu la chance de rencontrer un prêtre parce que je devais fournir mon poisson salé à l'internat de Kafumuiba. Vous pouvez demander peut-être à Monseigneur Rouvesi, il connaît l'histoire. Je suis allé fournir le poisson, donc le poisson de 100 dollars, j'ai gagné 600 dollars. Oh. Et le prêtre m'a dit, en tout cas, on voit que le poisson ici, vous l'avez fait avec votre cœur. Et en tout cas, c'est la bonne qualité. Est-ce que vous pouviez encore m'amener d'autres poissons? J'ai dit, je vais repartir avec mes 600 dollars au retour. Je vais vous fournir ce que je peux vous fournir. Non, j'ai besoin de beaucoup de poissons. Et le prêtre a beaucoup insisté, c'est un père blanc. Mm. Il m'a donné un prêt de 3000 dollars. Un prêt? Un prêt de 3000 dollars. Bon, c'est vrai. Quand j'ai travaillé chez mon grand frère, j'ai compté des millions, mais ce n'était pas mes millions à moi. C'était des millions qui appartenaient à mon grand frère. Il faut faire la part de choses. Mais mes premiers 3600 dollars que j'avais, c'était une très grande fortune pour moi à l'époque, un jeune garçon, tout ça, avec 3600 dollars. Et je suis allé au lac. Et il y a M. Kabila Kisolé, qui est maintenant la Tembe, qui était administrateur de la Tembe en 86. Je suis allé chercher un prêt, j'étais très jeune. Il m'a dit, est-ce que, Monsieur Moïse, vous avez une maison? J'ai dit, non, Mkoubwa, moi, je n'ai pas de maison. Parce pour gager? Oui, pour hypothéquer. Oui. J'ai dit, je n'ai pas de maison, mais je vais travailler, je vais rembourser. Il dit, mais il faut aller demander quand même une caution chez votre grand frère. J'ai dit, non, je ne vais pas mélanger mon grand frère et moi-même. Je travaille chez mon grand frère et j'ai commencé aussi mes affaires. Bon, je voulais sortir du bureau et après il m'a dit, bon, jeune homme, arrête, assis-toi un peu. Est-ce que tu es sûr que tu vas rembourser? Je dis, non, vous me donnez un prêt pour une année, je sais que je vais rembourser. Et j'ai eu un prêt, je crois, pour acheter deux nouveaux camions Toyota chez Afrima à l'époque, CFAO aujourd'hui. Oui. Bon, j'ai eu le prêt pour les deux camions parce que j'avais déjà un vieux camion à moi, mon premier camion. Je devais rembourser après 12 mois, mais j'ai remboursé après 4 mois. Ah oui. Et je suis parti comme ça. Et j'ai ouvert mon compte pour la première fois à la Belle Gaulaise. J'étais encore très jeune, je crois que c'était vers les années 87. Mais je me posais beaucoup de questions. Est-ce que, en ouvrant un compte à la Belle Gaulaise, parce qu'à l'époque, on ouvrait le compte à partir de la BCDC oui. à Lubumbashi. Oui. Depuis que j'ai commencé à travailler avec la BCDC ou la Belle Gaulaise, je n'ai jamais donné un chèque en bois. Hein, jamais de découvert, jamais de... Non, de découvert, oui. J'ai travaillé avec beaucoup de prêts parce que les gens devraient me faire confiance. Et après, en 1991, je suis allé vers la Zambie où j'ai ouvert de pêcheries. Et j'ai eu aussi acheté des mines d'émeraude en Zambie. J'ai travaillé dans les mines d'émeraude. Et en 1997, M. Paulet, qui est aujourd'hui chez Tenke Fungurume, cherchait des camions parce que la Gécamine était presque en faillite. Et moi, j'avais de bien articulé en 1997. Il est venu me voir du côté de la Zambie pour me demander si je pouvais travailler, créer une société qui pouvait travailler à la Gécamine. Il a vu mes bennes, il était très intéressé. C'est alors que j'ai créé MCK en 1997. Mais justement, parlons-en de mes MCK. J'ai vu une photo, en faisant mes recherches toujours, Moïse Katumbi déjà dans les mines dans les années 80, 90. Alors que les gens disent, oui, Moïse, à cause de son poste de gouverneur, qu'il est devenu minier, qu'il a de l'argent. Expliquez un tout petit peu cette période. Vous savez, mon grand frère était fournisseur à la Gécamine pendant plus ou moins 30 ans. Fournisseur? Fournisseur de la Gécamine. Donc, on était fournisseur. On avait un contrat de poisson. Je crois, et la farine, la viande aussi, c'était des contrats peut-être de 5 millions de dollars le mois. Et moi-même, à partir de 1991, j'ai commencé à donner des prêts à la Gécamine quand j'étais en Zambie. Parce que j'avais à l'époque de Mobutu déjà? Oui, à l'époque de 1991, oui. J'ai mes factures de la Gécamine, j'ai donné des prêts à la Gécamine. Je fournissais la farine, il y a parfois que la Gécamine, j'ai donné des prêts. J'ai donné des prêts jusqu'à 12 millions de dollars. De vivre à la Gécamine, et c'était pour que la Gécamine puisse un peu relancer sa production. Donc je fus aussi fournisseur de la Gécamine.
Alors, le sérieux qu'ils ont vu dans mes fournitures, ils sont venus me voir pour que je puisse donc amener aussi mes engins du côté Kamoto. Et c'est lors que j'ai commencé dans la mine souterraine de Kamoto. La mine souterraine de Kamoto n'appartenait pas à Moïse Katumbi. La mine souterraine de Kamoto appartenait, et elle appartient jusqu'à aujourd'hui, à la GECAMINE et le KCC et le groupe, et c'est d'autres investisseurs qui sont venus. Donc j'ai travaillé comme entrepreneur à la GECAMINE. Si vous allez à l'entrée de Kolwezi, oui, vous voyez l'entrée de Kolwezi, le camion Caterpillar qui est là, c'est mes premiers camions qui ont travaillé dans la mine de Kamoto, ce qu'on a exposé à l'entrée de Kolwezi. Donc et vous pouvez poser la question à M. Zeng. Et j'avais des amis à moi qui travaillaient pour moi, des amis que j'ai étudiés avec, le fils Chinabou, l'ancien joueur de Mazembe, oui, oui, que j'avais placé à Kolwezi. Ça nous permet de faire la transition pour parler maintenant de Moïse Katumbi, le mécène, qui s'est intéressé à cette grande équipe qui fait la fierté de cette province depuis longtemps, Englebert Mazembe. D'abord, est-ce que vous êtes sportif d'abord, à titre personnel? Ça, c'est de un. Et puis de deux, cet amour invétéré de Mazembe, ça vient d'où? Vous savez, on ne s'improvise pas à être supporter de Mazembe. Il faut d'abord aimer Mazembe. Et moi, j'ai aimé Mazembe depuis mon enfance. Mon grand frère était président de Mazembe. Parfois, quand il y avait des matchs Mazembe-Lupopo, je me rappelle très bien, parfois Mazembe jouait la Coupe d'Afrique. Quand Mazembe perdait un match au stade, je revenais à la maison. Bon, c'était parfois pendant la saison de pluie. Avec beaucoup de boue, Mazembe, j'avais peut-être 12, 13 ans. Mazembe avait perdu un match au stade, je crois que c'était contre le Lubumbashi Sport. Je suis revenu à la maison très énervé, comme si j'étais le président encore de cette équipe. Mais pourquoi? Parce que je voulais que mon équipe gagne. Je n'aime jamais perdre dans ma vie. Oui. Je n'aime jamais perdre dans ma vie. Et j'étais obligé de dormir avec mes chaussures. Et je ne savais pas que je dormais avec mes chaussures, avec la boue. C'est le matin, quand je me suis réveillé, oh, j'aurais des problèmes avec les pieds. Avec mon grand frère. Je suis allé au lit avec les chaussures. Avec des chaussures mouillées, tout ça, vous savez. J'ai aimé Mazembe depuis mon enfance et je suis resté mazembien. Et je suis entré chez Mazembe aussi par hasard. Comment? Comme président de... Racontez l'anecdote. Vous n'avez pas confisqué Mazembe à quelqu'un? Mais non, j'étais en Zambie. J'ai contribué chez Mazembe comme tout membre de Mazembe. Parce que j'étais parti en Zambie depuis les années... Je crois que c'était en 1991 que j'étais en Zambie. Et Mazembe avait beaucoup de problèmes. Mazembe avait des problèmes. Mazembe n'avait même pas de maillot. Non. Mazembe, il y a eu un moment où Mazembe devait aller manger au marché. Alors, il y a un ancien de Mazembe, il ne m'avait même pas contacté. Il est membre, je l'ai gardé même au comité jusqu'à aujourd'hui. C'est un ancien joueur de Mazembe, M. Kamba. Il est encore chez Mazembe. Il me dit non. Il m'a appelé, il dit, président, vous êtes devenu président de Mazembe. Je dis, comment? Moi, je n'ai pas postulé. Plébiscité? Non, je n'ai même pas postulé que je devais devenir président. Donc, vous avez été adopté, choisi par... Je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour que je puisse devenir président de Mazembe. Ils sont allés à l'Assemblée, ils ont légalisé les documents. Je n'étais pas au courant. Pour l'amour de Mazembe, j'ai dit, mais écoutez, de toutes les façons, moi-même, je suis en Zambie. C'est très difficile de diriger l'équipe. Il dit, non, il faudrait accepter. Et j'ai accepté. Donc, chez Mazembe, on est venu me chercher. J'étais en Zambie. Je crois que c'était si je me rappelle très bien, c'était en 97 aussi. C'était en 97. Et j'ai accepté de diriger Mazembe. Mais alors, vous avez tout donné quasiment à cette équipe. Maillot, stade, avion, coupe. Mais on vous fait le reproche sur le plan national. Vous êtes fait ce qu'on appelle la concurrence déloyale. Vous dopez votre équipe de tous les moyens, à contrario des autres équipes qui n'ont rien. Mais vous êtes un père trop gâteux. Je crois, Jean-Marie, il faut faire la part de choses. Dans la vie, il faut aimer ce qu'on fait. Il y a des gens qui n'aiment même pas leurs propres enfants. Moi, je vois, que ce soit le Lubumbashi ou ailleurs,
Vous devez, il y a des gens qui roulent en Mercedes, mais quand vous voyez leurs enfants, vous vous posez la question de savoir si c'est leurs enfants. Est-ce que Moïse aime ses enfants? Moïse aime très bien ses enfants. Si j'aime mes enfants chez Mazembe, donc il faut avoir l'amour du prochain. Parce que c'est très facile de condamner quelqu'un quand il partage. Mais partager n'est pas facile aussi. N'est-ce pas? Vous savez, c'est surtout les égoïstes qui condamnent les autres. Oui, si nous allons revenir chez Mazembe, donc je n'ai pas tout donné jusque-là chez Mazembe. Parce que le souhait que j'ai, c'est un jour gagner la Coupe du Monde de la Champions League. Là, je vais dire... À ce point, mais vous avez des ambitions démesurées. Non, dans la vie, il faut avoir des ambitions. Si vous n'avez pas des ambitions, vous êtes un homme perdu. Il faut avoir une vision et il faut avoir des ambitions. Et en plus, il faut réaliser vos promesses. Quand je suis rentré d'exil, quand j'étais en exil, j'ai qualifié Mazembe en Champions League. Si on a donné 4 places à la RDC en Coupe d'Afrique, c'est grâce à Moïse Katumbi. Mmh. Donc j'ai dirigé Mazembe dès l'exil et Mazembe est allé une fois en quart de finale et en demi-finale. On a eu les 4 places. Mmh. Et j'ai fait de mon mieux, donc d'être tout près de l'équipe. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre pays. Mais il faudrait avoir aussi l'amour et la volonté. Mais justement, Moïse Katumbi, les succès de Mazembe, le professionnalisme affiché, pourquoi vous ne donnez pas des conseils au niveau de la FECOFA? Vous êtes l'un des grands supporters de Constant Omari, de FECOFA. Vous travaillez maintenant, enfin, vous avez été adopté au niveau panafricain. Mais pourquoi votre expérience et les moyens, l'équipe nationale n'en profite pas? Enfin, vous donnez quelques joueurs, oui, mais pourquoi Non, il faudrait faire la part de choses. Les gens condamnent Constant Omari. C'est très facile de condamner Constant Omari. Oui, mais parce que vous les soutenez. Oui, moi je les soutiens et je l'ai même dit à la télévision et je reconfirme mon soutien à Constant Omari. Vous savez, réorganiser une équipe nationale, ce n'est pas le problème de Omari seul. Il a la tête. Non, il est à la tête, c'est vrai. C'est comme moi, je suis à la tête de la province du Katanga comme gouverneur. Donc, il faudrait que le moyen suive aussi. Réorganiser l'équipe nationale, il faudrait le moyen. Vous savez, avant de critiquer Omari, allez au ministère du budget, poser la question combien on donne à Omari pour réorganiser l'équipe. Mais la FIFA envoie de l'argent, Moïse Katumbi. Vous savez, ce que la FIFA envoie, c'est là où il y a des problèmes. La FIFA envoie plus ou moins, je crois, 250 000 dollars par an. C'est pour le fonctionnement de la fédération. On dit 1 million. Non. Même si c'est 1 million de dollars, c'est pour le fonctionnement de la fédération. Moi, je crois que c'est 250 000 dollars par an ou 1 million de dollars. C'est le fonctionnement. Et ces comptes sont audités par la FIFA. Vous savez, la FIFA, c'est une très grande organisation. Mais le conseil que je peux donner, vous savez, regardez aujourd'hui, c'est vrai. On dit non, l'équipe nationale, ça ne marche pas. Oui. Le problème, c'est Constant Omari. Non, Jean-Marie. Je vous demanderai, vous, parce que vous êtes professionnel dans votre métier, allez-y dans d'autres provinces, allez regarder les stades où les joueurs sont en train de jouer, où Mazembe joue. Je vais vous dire, quand Mazembe joue au Bas-Congo, quand Mazembe joue à l'Équateur, est-ce que ce sont des terrains de foot? Nous avons deux terrains synthétiques ici, mais c'est la province du Katanga. Ben vous êtes privilégié, Moïse Katumbi. Non, ce n'est pas question d'être privilégié. Il faudrait savoir ce qu'on cherche. Vous savez, le président de la République nous a donné l'opportunité de travailler. Et ce n'est pas travailler pour nous, c'est travailler pour la population du Congo. C'est très important. Mais un terrain de foot, vous n'allez pas quand même demander à Omari d'aller vous faire un terrain de foot. Mais on est gouverneur, alors en ce moment-là, pourquoi? Si vous ne pouvez même pas mettre la pelouse chez vous dans un terrain de football. Parlons-en maintenant, la transition est toute trouvée. Moïse Katumbi, le bâtisseur. Vous êtes l'exception, je l'ai dit, en introduction de cette émission qui confirme la règle. Lorsqu'on parle de la reconstruction du Congo, on commence par les Katanga. On dit Moïse Katumbi, meilleur élève du Kabila, Joseph, président de la République, meilleur... exécutant des 5 chantiers aujourd'hui révolution de la modernité. Mais c'est pour prouver quoi finalement? Vous voulez prouver que vous êtes un manager qui s'est transformé en politicien ou vous êtes un politique qui veut se distinguer de tout le monde?
Merci beaucoup. Vous savez, j'étais dans le monde des affaires, manager dans le monde des affaires. Je n'ai jamais connu la faillite depuis que j'ai commencé mes affaires. C'est parce que je savais ce que je cherchais en tant qu'opérateur économique. Je suis revenu d'exil sur demande du chef de l'État. Quand je suis rentré, aucun jour Jean-Marie, il y a des gens qui ont écrit que je n'avais même pas de véhicule quand je suis rentré de l'exil. Heureusement, j'ai encore ma petite voiture que j'ai gardée comme objet de musée. À cette époque-là, c'était peut-être la première voiture au Congo, la première Mercedes qui était au Congo à cette époque-là. C'était la période de la crise. La voiture est encore là. Et quand je suis rentré d'exil, c'était sur demande du chef de l'État. Et je ne savais pas que j'allais entrer en politique. Quand je suis rentré d'exil, je ne cesse de le répéter, les gens disaient que j'avais un problème avec le gouvernement zambien. Moïse Katumbi a eu des problèmes, il a pris de l'argent en Zambie. Oui, Moïse Katumbi recherché. Oui, recherché de la Zambie. Mais le président Kabila, à cette époque-là, si ce n'était pas un homme bien, il pouvait me livrer au gouvernement zambien. Et je pouvais faire. Qu'est-ce qui vous a soutenu? Il m'a soutenu et je pouvais faire la prison sans le savoir. Mais moi-même, j'avais porté plainte au gouvernement zambien en Zambie. Et j'ai gagné le procès en Zambie. Vous vous présentez au tribunal en Zambie? Non, je ne me suis jamais présenté. Mes avocats étaient là. Oui. Parce que j'étais un homme recherché. Oui. J'ai gagné le procès en Zambie. Et quand je suis rentré d'exil, pendant la campagne référendaire, le feu, mon frère Augustin Katumba Mwanke m'a demandé d'aller avec eux en campagne référendaire. Quand on devait... 2004-2005. Parce que moi, je suis rentré, j'aurai bientôt au mois de juillet 10 ans de retour d'exil. Je suis rentré le 11 juillet 2003. Et je suis allé avec eux pendant la campagne. Je ne savais pas que j'allais faire la politique. On m'a demandé par après qu'il fallait que j'aide le parti. Parce que la liste le était PPRD. Le PPRD. Et si vous regardez, les gens qui étaient sur la liste du PPRD, sauf l'ambassadeur Katumba qui avait gagné les élections, les autres sont passés avec mes voix. Jusqu'aujourd'hui, ces mêmes gens me condamnent. Quand ils ont échoué pour la deuxième fois, ils disent non, c'est Moïse Katumbi qui les a fait débarquer parce qu'il avait des relations avec Moulunda. Soyons quand même sérieux. En 2006, vous êtes passé avec mes voix. Et regardez les gens qui ont eu 11 000 voix en 2006. Et peut-être en 2011, ils ont eu que 5 000 voix. Mais si en 2006, vous aviez eu 4 000 voix, en 2011... Si vous n'avez pas aidé la population. Est-ce que vous avez fait débarquer, grâce à votre influence auprès de Ngoy Mulunda, vos adversaires politiques du Katanga? Est-ce que moi-même, j'étais candidat? Je n'étais pas candidat. Je ne travaillais pas à la CENI. À la CENI, au Katanga, je n'ai pas mes frères qui travaillent au niveau de la CENI. Le même gens qui disent que je les ai fait débarquer, mais leurs jeunes frères travaillent à la CENI. Donc, je suis plus fort. Si je peux influencer même leurs propres membres de la famille. Donc c'est un faux débat. C'est un faux débat. Moi, je crois que les gens doivent savoir pourquoi ils ont échoué et ils doivent se dire, nous n'avons pas fait assez, on n'a pas travaillé pour soutenir le chef de l'État. Revenons encore à votre question. Donc, quand Moïse Katumbi, le bâtisseur. Oui, quand je suis rentré d'exil, je suis devenu député, je suis allé démissionner parce que les deals... Et que je devais aller démissionner en tant que député. Je voulais rentrer dans les affaires et laisser mon suppléant. Et j'ai laissé mon suppléant. Et l'ambassadeur me dira, non, essaye de nous aider, l'ambassadeur Katumba. Ce que nous venons de voir au niveau national, essaye de nous aider au niveau provincial. Il faut signaler quand même, vous étiez l'un des députés les mieux élus avec trop de voix. Avec... trop de voix, ça c'est les pas, pas trop de voix. Avec un peu de voix. Oui. Bon, alors... l'ambassadeur m'a appelé si je pouvais aller aussi à la députation provinciale. Mais la liste au niveau du parti était déjà établie. Donc on devait enlever quelqu'un, M. Mwenge Mafuta, à qui vous pouvez poser la question.
L'ambassadeur m'a dit, je t'envoie Mwenge, il faut que tu remplaces Mwenge Mafuta pour nous aider aux choses, aux élections provinciales. Et Mwenge n'était pas d'accord. Moi, j'ai dit, écoutez, de toute façon, moi, je ne veux pas faire la politique, je vais rentrer dans mes affaires, je voulais vous aider. Et par après, quand il est allé, il avait compris que je pouvais amener un plus au parti. Et Mwenge Mafuta fut mon suppléant. Il est aujourd'hui député au niveau de la députation provinciale. Et comme par hasard aussi, sur demande du chef de l'État, j'ai eu le camarade Vital Kamerhe quand il était avec nous au PPRD, le fait Samba Caputo, qui m'ont appelé si je pouvais les aider au niveau de la province. J'ai dit, moi-même, je ne suis pas politicien. Voilà comment je me suis retrouvé en tant que gouverneur de la province. Donc, il y avait plusieurs défis que je devais réaliser. Je reviens à ma question, Moïse Katumbi. Ceux qui nous suivent ici au Congo, surtout en Europe, hein, vos compatriotes, on les présente combattants, on les présente comme ceux qui doutent de la réalisation de ce que vous faites ici. Maintenant, beaucoup vous félicitent à travers les médias, parce que effectivement, quelques images, et beaucoup d'images que nous diffusons, le démontrent. Je repose ma question. Joseph Kabila vous envoie combien d'argent chaque mois pour construire cette province plus que les autres? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord terminer ce que j'étais en train de dire, si vous le permettez. Oui. Alors, quand j'ai commencé à travailler, quand je suis devenu gouverneur, il ne fallait pas d'abord trahir la confiance du président de la République, qui m'a choisi de devenir son gouverneur. Le Katanga n'est pas n'importe quelle province. Il ne fallait pas trahir aussi la population du Katanga qui m'avait donné beaucoup de voix, que ce soit au niveau national et au niveau provincial. Trois, ne pas trahir ma propre famille. Quatre, ne pas trahir le monde des affaires. Qu'est-ce que je pouvais faire? C'était faire un plus pour accompagner les chefs de l'État. Parce que vous savez, trahir Joseph Kabila, ce n'est pas aller accuser les autres, non. On vous accuse beaucoup. Hein? Non, ça c'est rien. Vous savez, il n'y a que les fainéants qui accusent les autres. Bon, ce qui est important, ce qui était important pour moi, c'est quoi? C'était de travailler, de donner un coup de main au chef de l'État. Suivre la vision du chef de l'État et travailler. À l'époque, c'était les cinq chantiers avant la révolution de la modernité. Donc, donner un coup de main au chef de l'État. Et vous aviez vu les résultats au Katanga. Moi, j'avais pris le discours du président Kabila. De son investiture en 2006, et je me suis dit, quels sont les défis que nous devons réaliser? Comment aider Joseph Kabila? C'est ça. Aider Joseph Kabila, c'est faire le chantier, travailler pour la population. Dans les acteurs, les actions, au lieu du discours. Et si vous regardez pendant les élections, la première province, c'était nous, en 2011, parce que nous avions fait quelque chose en suivant la vision du chef de l'État. Dire que le président Kabila envoie beaucoup d'argent. Vous savez, par mois, 10 millions de dollars. Oui, les gens disent 10 millions, 20 millions, 30 millions de dollars. Les malles entières par jet qui arrivent ici. Et vous croyez que cet argent peut sortir du budget comme ça ou de la banque centrale sans contrôle? Mais il y a les députés qui sont là au niveau national. Ils peuvent aller contrôler. Moi, je crois que c'est les gens qui n'aiment pas le président Kabila. Ils peuvent aller contrôler. Il y a l'audit qui est là, il y a les auditeurs, la Cour de compte qui est là. Donc, ils peuvent aller demander. Mais vous savez qu'il y a des provinces qui reçoivent de plus que le Katanga. Moïse Katumbi, vous n'allez pas nous dire ça. Mais bien sûr, Jean-Marie, c'est parce que je ne savais pas, j'allais amener les chiffres d'autres provinces qui reçoivent beaucoup d'argent de plus que le Katanga. Le problème, c'est la volonté et aider les chefs de l'État. La seule façon d'aider les chefs de l'État, c'est de travailler. Travailler pour la population. Vous savez, quand on devient gouverneur, vous devenez esclave. Vous devenez esclave de votre propre population. Quand vous faites une route, le lendemain, vous passez là-bas, ils vont vous dire de l'eau. Quand vous terminez seulement, le jour que vous allez inaugurer la route, ils vont vous dire, on n'a pas d'électricité. Alors justement, je pose la question plus directement. Tous ces travaux que vous faites, vous êtes Katangé du Sud? Apparemment, le Nord, vous l'avez oublié. Et vos adversaires ici au Katanga disent, oui, c'est gentil, il construit Lubumbashi, tout s'arrête à Lubumbashi. Et s'il veut des choses, il va les faire chez lui. Et le Nord est oublié. Il est ségrégationniste, autrement dit. Il n'aime que ses propres frères. Merci beaucoup. Je crois, je ne sais même pas si je suis du Sud.
parce que mon arrière-grand-père, le roi Moussiri, vient de Bunkeya, du Tenkefungurume, mais donc territoire de l'Ouboudi. Ces histoires de dire sudiste ou nordiste, chez moi, ça n'existe pas. D'abord, moi-même, je suis métissé. Ce sont les leaders du Nord, hein? Je veux vous dire, non, il y a des leaders. Quand ils sont devant la télévision, quand ils sont devant un journaliste, ils deviennent leaders. Parce que moi, je sais ce que je suis en train de faire dans le Nord. Nous faisons beaucoup d'efforts au Nord Katanga. Il y a beaucoup de projets que nous sommes en train de faire dans le Nord Katanga. Je vais vous donner les DVD de projets que nous avions fait dans le Nord Katanga. Et je demanderai à ces politiciens qui viennent vous voir un jour, je suis prêt à affréter un avion, aller avec eux dans leur fief. Non, ils seront populaires là-bas. Non, mais c'est bien. Comme ça, vous allez juger et qu'ils choisissent eux-mêmes une date. Pas à moi de choisir la date. Ils vont vous prendre à défi, hein? Mais c'est bien, c'est très important. Il y a quand même cet avion et il va voir comment on va nous applaudir chez nous. Il y a pas de problème. J'ai amené des gens dans le Lois là-bas. Oui. Qui disait, qui faisait beaucoup de commentaires chez nous, mais j'ai encore les images. Hein. C'est parce que je suis devenu gouverneur, je ne peux pas faire passer des images comme ça à la télévision. Je suis bien dans le Nord Katanga et je suis très bien accueilli dans le Nord Katanga que dans le Sud Katanga. Si Moïse Katumbi est bien accueilli, c'est vraiment dans le Nord Katanga. Vous pouvez vous promener à pied dans Malemankulu. Partout, je me promène à pied. J'étais à Kamina, j'étais à Manono, même à Ankoro, je me promène à pied. Et je ne me promène pas avec des militaires. Il y a beaucoup... Le problème qui est là, c'est quoi? Nous avions fait des travaux, nous sommes allés progressivement au niveau de la province du Katanga. On ne voulait pas faire le saupoudrage, Jean-Marie. Aujourd'hui, si j'avais commencé avec, supposons, $1 million, et construire 200 mètres de route à Kamina, construire 200 mètres de route à Lubumbashi, les gens allaient me traiter d'un fou. J'ai commencé avec Lubumbashi, je suis allé progressivement à Likasi, je suis allé à Kolwezi, nous sommes partout, je suis allé à Kalemi et à Kamina, nous sommes là. Pour la première fois, Kamina sera asphaltée. Nous avons amené l'asphalte plante à Kamina et nous allons faire 30 kilomètres de route. Dites-moi dans combien de chefs-lieux de province où on va asphalter 30 kilomètres. Mais nous le faisons parce que moi je me considère d'abord congolais et katangais en plus. Le nord c'est chez nous et quand je suis à Kamina, je n'achète jamais la nourriture ni à Malembangou. Mais justement, je n'achète jamais. Les gens viennent m'offrir la nourriture que je prends. Donc je suis chez moi. Je suis chez moi de l'autre côté et laisser les politiciens parler. Ces mêmes politiciens, quand ils avaient des postes, ils n'ont pas su qu'ils venaient de quelque part. Mais quand ils ont besoin de l'électorat, ah, là ils disent « Ah, je suis de tel endroit ». Non, mes chers amis, sans quand même sérieux. Dites-moi, Moïse Katumbi, qui vole les câbles d'électricité? J'ai même appris que on vole des câbles, on les met dans l'acide, on sabote le travail. Qui est contre la révolution de la modernité, la reconstruction du Katanga? Vous savez, il y a beaucoup de sabotage. Il y a beaucoup de sabotage parce que nous avons fait plus ou moins, dans la province du Katanga, plus ou moins 350 km de créage public. Mais c'est chaque jour qu'on nous vole les câbles. Il y a parfois même les gens qui sabotent la ligne haute tension. Pour quelle raison? Je ne sais pas, c'est des inciviques pour prendre le câble et le vendre comme mitraille dans d'autres pays ou dans d'autres sociétés. C'est une guerre. Vous savez, le cuivre, même en Europe, même en France, les gens volent les câbles même en France. C'est pas dire qu'ils sont en train de saboter leur propre économie. Parce que quand vous coupez, vous allez voler la ligne haute tension. D'abord, vous arrêtez les sociétés minières. Donc, il n'y a pas de production, et on aura des problèmes au trésor public. On a des hôpitaux aussi, où il y a des gens qui sont dans des salles de réanimation, il n'y a pas d'électricité. Donc, vous tuez vos propres frères. Donc, je demanderai à tous ces gens d'être conscients. Et pour cela, j'ai quand même un appui total de la population, parce que la population... Est-ce qu'on dénonce ça? Est-ce qu'il y a un suivi? En tout cas, la population Katanga, j'ai une population qui est exemplaire, la population
elle dénonce tous ces gens-là. La grande partie des gens que nous avons arrêtés avec les câbles ou les conteneurs de câbles, c'est grâce à la population. Moïse Katumbi et le monde des affaires, vous venez du monde des affaires, vous êtes encore un tout petit peu dedans. C'est quoi votre secret finalement? Est-ce qu'ici il n'y a pas de tracasseries administratives? Est-ce qu'ici on n'arrête pas les investisseurs? Comment expliquer un peu cette proximité avec le monde des affaires? Parce que j'ai interrogé quelques chefs d'entreprise, y compris des Indiens, des Chinois, des Européens, des Belges. Ils disent c'est le meilleur gouverneur pour les affaires ici. C'est quoi votre secret? Comment ça se passe? Vous savez, pour avoir une économie forte, il faut rassurer les investisseurs. Moi-même, j'étais opérateur économique. Donc, quand je suis arrivé, le Katanga, je crois, au niveau du trésor public, la contribution du Katanga au niveau du trésor public, nous étions troisième ou quatrième. Une année après, nous avions récupéré notre première place. Ce n'est pas Moïse Katumbi qui devait contribuer au trésor public, c'est ces investisseurs-là. Donc, il fallait les rassurer. Et à lutter contre les tracasseries. Parce qu'il y a des gens qui venaient. Il y avait une année où il y a eu plus de 800 missions en provenance de Kinshasa. Et sur les 800 missions, je crois que j'ai remballé plus de 760 missions. Ah des oui? gens qui venaient et qui n'avaient pas de documents. Parce que le président de la République avait dit fini la récréation. Mais ce n'est pas au président Kabila d'aller contrôler dans chaque province. Quand le président dit quelque chose, finit la récréation, qui doivent l'aider? C'est nous, gouverneurs de province. Il y a encore quelques tracasseries, nous n'avons pas encore terminé. Mais il n'y a pas de connivence avec ces hommes d'affaires, on vous donne des commissions, vous fermez les yeux, non? Vous savez, la vraie commission, c'est quoi? Leur contribution au trésor public. Quand pas dans la poche de Moïse. Quand je suis arrivé à la douane, c'est la... Et je veux vous dire ceci, Jean-Marie. Quand je suis arrivé, rien que la douane au Katanga versait au trésor public chaque mois 1 200 000 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 75 millions de dollars américains. Nous dépassons le Bas-Congo, là où il y a des bateaux qui viennent. Et moi, ma vraie commission, c'est mettre plus d'argent au trésor public. Pas dans la poche de Moïse. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Et si ma conscience... Et tranquille, je ne veux même pas palabrer sur ça parce que je sais ce que je suis, la valeur ajoutée que je suis en train d'amener au niveau de ma province et au niveau du gouvernement central. C'est ce qui est important. Et ils vous diront un jour que Moïse vend même les arachides. Oui. C'est tout à fait normal. Oui. Il est partout. Il est partout, c'est tout à fait normal. C'est ça la démocratie. Vous savez, il y a les gens qui ne savait pas que à l'époque que la démocratie pouvait exister dans notre pays. Quand le président de la République a amené la démocratie, il y a des autres qui disent la démocratie c'est les injures, la démocratie c'est les dénigrements, mais il y a les autres aussi qui ont compris que la démocratie c'est le travail. C'est très important. Et vous en faites partie. Oui, et il faut laisser ces gens dans leur petit coin là où ils disent non, c'est des voleurs, tout ça, mais quand il y a un État qui existe, il y a un État... Et il faut le prouver. Mais expliquez-moi pourquoi on vous fait des procès. J'ai même appris en Europe des procès, il y en a qui se préparent à vous faire des procès. Le combat, il se délocalise sur le plan de la justice pour vous faire du mal, pourquoi? Non, vous savez, le problème, c'est que j'ai remarqué pendant les 6 ans que je suis gouverneur, surtout dans notre propre famille politique. Ah bon? Chez vos propres amis? Oui, dans notre propre famille. Oui, la majorité présidentielle. La majorité présidentielle. Les gens n'aiment pas les gens qui travaillent. Heureusement, les chefs aiment les gens qui travaillent. C'est ce qui est important pour moi. Mais vous savez, quand vous travaillez, si je ne travaillais pas, on n'allait pas m'amener à gauche, à droite. Mais que si j'ai la confiance de ma population et de mon chef, c'est ce qui est important pour moi. Ils peuvent monter le matin, bon, combien de journaux qui écrit contre Moïse Katumbi, les injures même de mes pauvres parents qui sont décédés. C'est tout à fait normal, c'est ça la vie. On a accepté de diriger une population et il faudrait aussi supporter tout ce qui est des bêtises que les autres racontent. Mais juste une question, est-ce que vous pouvez me dire la vérité? Juste la question de confiance. Moi, j'ai toujours dit la vérité. Pourquoi vous soutenez le PPRD? Toutes les campagnes électorales, c'est vous qui financez au niveau de la province avec votre propre argent. Merci beaucoup, Jean-Marie. D'abord, moi-même, je suis du PPRD.
Et ce n'est pas moi qui supporte le PPRD à 100%. Il y a beaucoup de camarades aussi qui... Non, je parle de la province. ...de redynamiser notre parti au niveau de la province. Et que le Katanga soit le modèle de choses du PPRD au niveau du Congo. Et c'est Katanga, on a vécu il n'y a pas longtemps, des mouvements ici, des sécessionnistes, des Katakatanga, etc. Est-ce que vous avez pensé à fuir les Katanga contre les Katakatanga? Vous savez, quand les Katakatanga sont entrés, j'étais ici à Lubumbashi. Et j'étais la première personne à aller voir au centre-ville de Lubumbashi, au niveau de la poste, et je suis allé à la Monisco. Parce que vous savez, quand vous êtes gouverneur d'une province, il ne faut pas quand ça tire, vous prenez la fuite. Si on a dit que vous étiez déjà dans votre bunker. Non, moi j'étais là-bas et vous pouvez voir les images. Vous savez, nous allons mourir nous tous un jour de quelque chose. Alors, bon, si vous prenez la fuite en tant que dirigeant, en tant que gouverneur, mais la population. Mais la population. Vous allez revenir devant cette population, veuillez m'excuser, j'ai eu peur. Non, il fallait rassurer la population, parce que ces gens ont compris que la population ne voulait pas la guerre. Mais qui finance ces gens, Moïse Katumbi? Vous, les leaders du Katanga, pourquoi vous financez les Katakatanga? Merci beaucoup. Tu sais, on condamne toujours les leaders du Katanga. Vous faites chantage à Joseph Kabila? Non, on ne peut pas faire du chantage à Joseph Kabila parce que, vous savez, Joseph Kabila, d'abord, lui-même est Katangais. Moi, je crois, je l'ai dit même l'autre fois, ces gens, ce sont des groupes de bandits. Même s'il y a des gens qui leur donnent quelque chose, nous ne pouvons pas accepter ce qu'ils sont en train de faire. Bon, ils veulent venir diriger cette province. Il y a des tracts qu'on jette en ville. On dit que le gouverneur et son gouvernement doivent démissionner le 11 novembre pour leur dire que nous n'allons pas démissionner parce qu'on a eu le mandat de la population. Et pourquoi ces gens continuent à faire des bêtises comme ça? C'est ça la grande question. Qui est derrière? Non, le problème, ce qui est derrière, c'est l'impunité. L'impunité? L'impunité dans notre pays. Parce que tous ces gens qui font du mal, que ce soit à l'Est et aux choses, ils doivent être jugés et condamnés. Une fois qu'on va commencer à condamner, je crois que la peine de mort existe dans notre pays. Mais avec la recommandation du gouverneur aussi, non? Non, le gouverneur n'a pas recommandé la peine de mort. Il y a la justice qui est là. Parce que quand vous tuez des gens à l'est du pays ou dans le nord Katanga ou n'importe où, donc vous tuez vos propres électeurs. Moi, je crois que ces gens doivent abandonner le banditisme qu'ils font. Ils doivent attendre 2016, s'ils veulent être candidats, parce qu'ils sont en train de tuer les électeurs qui vont les voter en 2016. C'est pas Moïse Katumbi qui chauffe la marmite pour que demain, quand ça va se calmer, il dit voilà, je suis le Moïse, aussi sur le plan sécuritaire, j'y suis et j'y reste. Vous avez très bien prononcé Moïse, le Moïse. Moïse, c'est un nom de la Bible. Ce n'est pas un nom où il y a la méchanceté là-dedans. Quand vous êtes Moïse, il faut être digne de ces noms-là. On ne peut pas abîmer ces noms-là. Alors, on va chuter avec le Moïse, l'intimiste Moïse avec ses frères. Plébiscité 5 fois par les magazines Grand Lac, meilleur gouverneur de la RDC. Plébiscité à travers le province, parce que moi j'ai fait quelques petites enquêtes. On dit si il y avait un gouverneur à être élu chez vous, on vous met en tête. Kondéville et Kikanda vient un peu plus loin. Ça vous rougit pas tout ça là? Ça vous donne pas la grosse tête? Vous savez, j'ai lu Grand Lac et j'ai beaucoup de respect pour Grand Lac parce qu'il fait ses recherches, il est un peu partout. Mais ce qui est important pour moi, c'est le travail. Et quand j'ai lu des choses comme ça, quand je suis de temps en temps télé 50, oui? Il y a des gens qui réclament à gauche, à droite, nous voulons que Moïse vienne chez nous. Oui, oui. Mais vous savez, il faut réfléchir. Il faut vous poser la question, pourquoi ces gens se demandent? Parce qu'ils voient l'exemple chez vous. Nous faisons un bon travail. Mais, au contraire, c'est au même moment la prison. Donc il faut comment ça, la prison? Pour ne pas perdre la première place, parce qu'aujourd'hui, la province pilote, c'est les Katanga. Donc il faut continuer à travailler. Mais ça fait plus de mandats que ça dure quand même, Moïse Katumbi, que vous êtes toujours en tête. Peut-être vous avez des fétiches. Moi, je ne crois pas dans ces histoires de fétiches. Si on croyait dans ces histoires de fétiches,
Le Congo allait prendre la Coupe du Monde en 1974. Le président Mobutu avait amené, je ne sais pas, 90 féticheurs avec les décédistes de choses. Moi, je crois que ce qui est important pour nous, c'est le travail. Et quand j'étais dans les affaires, vous savez ce que les autres disent là. Même parfois dans notre propre famille, hein, même dans votre propre famille, si Jean-Marie est en train d'émerger, de bien travailler, les gens diront « Ah, attention avec Jean-Marie, Azouikisi ». Vous voyez des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment le Congolais. Moi, je crois le vrai Kissi, c'est le travail. Quelles sont vos relations avec Joseph Kabila, président de la République? Est-ce qu'il arrive des fois qu'il vous appelle? Est-ce que vous avez des relations de confiance? Le président de la République, d'abord Joseph Kabila, il est mon chef. C'est lui le président de la République. Le Katanga n'est pas n'importe quelle province. Donc si le président de la République vous donne à gérer le Katanga, oui. Donc il vous fait totalement confiance, en tout cas. Oui, mais ça vous le dites pour la caméra, Moi j'ai toujours un franc-parler. Si ça n'allait pas avec mon chef, j'allais le dire. J'ai dit, en tout cas j'ai un mauvais chef, j'ai un bon chef qui me fait confiance. Si je continue à travailler, et c'est grâce au chef de l'État, tout ce que nous faisons aujourd'hui dans la province, parce que il nous donne le temps de le faire. Et c'est dans toute la province. Vous savez, être en bon terme avec Joseph Kabila, il faut l'aider dans le travail. Ce que Kabila cherche, c'est un gouverneur qui travaille. Pas celui qui le flatte avec les effigies. Non, vous savez, les effigies, les Sakayonsa, ou crier quand le président est là, ça, ce n'est pas flatter Joseph Kabila. Joseph Kabila aime quand il arrive dans une province, il arrive par exemple dans la province orientale, vous allez lui montrer, ah, monsieur le président. Voilà ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Voilà la route, le petit pont qui était cassé. Et là, il est très content et il vous encourage. Et il vous dit toujours, monsieur le gouverneur, allez de l'avant, fermez les oreilles, faites ce qui est important pour la population. Tout à l'heure, vous avez cité 7 fois, j'ai compté, l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanke. C'est la première fois que je vous pose cette question. Est-ce qu'il vous manque aujourd'hui? Tu sais, quand tu me poses cette question, j'ai même des larmes aux yeux parce que c'était un frère pour moi. Il me manque beaucoup, beaucoup, Augustin. Si on devait demander au bon Dieu de le faire revenir, oui? J'allais demander au bon Dieu. Mais je sais, c'était le destin. Dieu a voulu qu'Augustin nous quitte. Même les gens qui critiquaient Augustin, oui? Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de perdre leur place. Si Augustin était là, pauvre Augustin, ah, j'ai été enlevé, c'est à cause de Katumba. Oui. La méchanceté. Quel type d'homme était-il? La méchanceté. Quel type d'homme était-il et quelle était la nature de vos relations? Vous savez, Augustin, il avait un franc-parler. Les gens n'aimaient pas Augustin parce qu'il avait un franc-parler. Il était très discret et Augustin n'aimait pas l'injustice. C'est ce que j'ai appris chez lui. Mais moi, on avait des très bonnes relations. Nous venons du même coin. Quand ça n'allait pas, il me disait, non, Gouf, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Et moi, quand ça n'allait pas, je disais, Ogi, ah, je l'appelais, Excellency, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah, pourquoi? Et c'est quelqu'un qui aimait les débats. Et il fallait les convaincre. C'était quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui a quand même amené un plus dans ce pays. Je sais qu'il y a des gens aussi qui ont sabré du champagne. Mm. Quand Augustin est décédé, bon, c'est ça la vie. Nous tous, nous allons mourir un jour. Et nous allons aller devant le bon Dieu. Et les jours que le bon Dieu va juger chacun de nous, je crois qu'il y aura beaucoup de bonnes choses qu'Augustin a fait dans ce pays. Et les gens ne le reconnaissent pas aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à salir la mémoire d'Augustin. Pour dire, Augustin, dans notre propre famille politique, qu'Augustin avait beaucoup d'argent, Augustin a caché de l'argent. Voilà, où est parti cet argent? Où est parti cet argent? Mais il y a la police qui est là. Mais pourquoi on n'arrive pas à trouver ces milliards dont on parlait, ces millions dont on parlait? Où est-ce qu'il pouvait trouver ces millions ou ces milliards? Augustin était un homme honnête. C'est un homme honnête. Est-ce que ça vous arrive de vous occuper de ses enfants, de sa famille aujourd'hui? La famille d'Augustin, c'est ma famille.
ça, je garde ça pour moi, pour moi-même, c'est ma famille. Et j'ai aussi longtemps que je vivrai, je resterai toujours ensemble avec cette famille. Et la vôtre, la famille des Katumbi Moïse, votre famille à vous. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous trouvez le temps pour elle? Et vous voulez dire quoi à vos enfants? Votre épouse, on la voit de moins en moins dans les affaires, dans la politique. Quelle est la relation Moïse avec sa famille? Vous savez, j'ai de très bonnes relations avec ma famille. Et ce qui est important pour moi, il ne faudrait pas qu'on mélange. Mon épouse n'est pas gouverneur de province. Mon épouse, c'est une femme qui doit rester à la maison. Mais femme du gouverneur? C'est la femme du gouverneur, mais elle n'est pas gouverneur de province. Il faut faire la part des choses. Depuis que je suis à la tête de la province, vous pouvez aller demander. Mon épouse n'est jamais venue à mon bureau. Quand je rentre du travail, comme chaque femme, il me pose la question, comment a été le travail aujourd'hui? C'est tout à fait normal. Oh, beaucoup de problèmes, ça a été. Elle ne s'intéresse pas à la politique. Moi, je suis politicien. Quand j'ai été élu en tant que gouverneur, mon épouse n'a pas été élue comme vice-gouverneur ou membre de mon gouvernement. Mon épouse, elle sait, c'est ma femme, je l'aime beaucoup. Elle sait que je fais un travail de l'État et elle doit faire la part des choses parce que je suis entré en politique. Elle ne peut pas aller voir mes ministres ou interpeller quelqu'un, non. Elle n'est pas dans les sphères politiques. Mais avant qu'on fasse cette émission, j'ai tourné un peu dans votre parcelle ici. J'ai vu qu'il y a trop de Congolais qui travaillent. C'est quoi, vous êtes chef coutumier ou pourquoi tant de gens? Et dès que j'ai parlé avec les uns et les autres, ah, il nous fait à manger, il nous soutient, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous savez, nous avons un problème dans notre pays. Les Congo étaient si je veux parler du Zaïre, le Zaïre était presque en faillite. Et nous sommes en train de remonter petit à petit. Il y a des gens qui viennent chercher du travail en tant que plombier. Vous lui posez la question, il dit, mais vous êtes plombier? Je dis, oui, mais j'ai mon diplôme universitaire, je cherche un petit boulot. Comment ça? Vous êtes universitaire, où est votre diplôme? Il vous amène le diplôme. Il fait son travail. Tout ça, à la fin, il vient vous voir pour vous dire, ah, monsieur Jamari, monsieur, bon, est-ce que je ne peux pas rester pour nourrir ma famille? Mais nourrir la famille chez le gouverneur? Non, mais... Vous leur donnez des sacs de maïs, de tout ça? Il reste, il travaille pour moi, c'est devenu aussi ma famille. Parce que vous savez, si vous avez quelque chose, il faudrait aussi savoir partager. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas partager. Mais c'est les gens chez vous, du sud, là-bas? La majorité, vous pouvez aller. Même sur mes gardes, j'ai mes gardes-corps, j'en ai, je crois, 6 et 5. Il n'y a qu'un type, une personne du Haut-Katanga. Ah bon? Et les autres, c'est les deux Kassai et le Nord-Katanga. Mais on dit que Mazembe s'est rempli avec les gens du Sud, là-bas, les Katangais. Bon, mais c'est, vous savez, il faut laisser les gens parler. C'est tout à fait normal. Je ne peux pas répondre tout le temps quand les gens disent « Mais moi, je sais ce que je suis. » Et le supporter de Mazembe, chez Mazembe, il n'y a pas de tribu. Chez Mazembe, il n'y a pas de tribu. Chez Mazembe, d'abord, nous sommes tous Congolais. Si vous regardez la majorité de nos supporters, la seule équipe, quand elle tourne au Congo, où il y a beaucoup de gens qui vont au stade, les stades sont remplis, c'est l'équipe de Mazembe. Donc, oublions ces histoires de tribalisme. Moi, je crois que c'est des petits messieurs qui ont toujours des petits débats comme ça. Merci, Moïse Katumbi. Sportif ou pas? Non, je vous trouve toujours... Je suis un grand sportif. Ça, c'est depuis mon enfance. Et c'est très important. Tu sais, avec le stress que nous avons au travail, si vous n'êtes pas sportif, là, vous pouvez avoir un problème. Mais qui aime les caviar, jamais. Les bons vins, jamais, du champagne. Jamais. Ce que j'aime, c'est ma nourriture traditionnelle. Du Katanga, du Congo? Ce que ma mère me donnait quand j'étais petit, ce que j'adore jusqu'aujourd'hui. Merci Moïse Katumbi. Merci beaucoup. Merci cet entretien à cœur ouvert, ici au Katanga. Vos compatriotes à travers le monde vont suivre, ici au Congo, et c'est un privilège pour nous. Merci en tout cas. Merci Jean-Marie. Merci à vous.
C'est très gentil de nous avoir aussi suivis. Restez assis. Moi, je vais sortir de votre maison. Je vous laisse chez vous. Et je permets à ce que les gens qui nous suivent comprennent bien que c'était une grande émission réalisée ici au Katanga pour le plaisir de ceux qui nous suivent.